Bonjour. Bonjour. Bonjour Salah. Bonjour la reine Yolande. Suis occupé. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Partagez ma vidéo avec quelqu'un. N'essayez pas de convaincre votre mari d'écouter ce que je dis ou votre femme. Pour que quelqu'un reçoive mes enseignements, il faut que la personne soit fatiguée. Fatiguée de faire ce que cette personne fait. Et que ça ne donne pas les résultats. Peut dire que ça, c'est le prérequis. Bonjour, Laurette. Donc, je vais vous donner des astuces ce matin. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a. Plus haut tu montes, plus grands sont tes projets, plus tu auras d'attaques. Et ces attaques, à un moment, vont venir de l'intérieur. De ta famille, de ton mari ou de ta femme, de tes enfants, donc, de tes meilleurs amis. Donc voilà, tu viens de tomber sur ma page. Et bonjour la reine CB de Bonabéré, bonsoir, bonjour pardon. Ça fait déjà quelques jours que je te lave avec le sel. Il y a une dame qui m'a appelé avant-hier, me dit. J'appelle seulement pour te donner mon témoignage. Je suis allé à Badjoun à l'université. Et j'avais des dettes. J'ai fait seulement le soc, ce que je demande de faire avec le piment de Guinée. Et ça fait 3 jours que je déclare chaque matin. Hier, j'ai déclaré que je reçois 50 000 pour rembourser mes dettes. On m'a donné 90 000. J'ai dit, c'est bien. Bien sûr, quand elle me disait qu'elle a l'argent maintenant, c'est parce qu'elle voulait acheter ses produits. Si vous m'écoutez, vous n'avez pas encore d'argent, vous n'avez rien. Ne vous en faites pas, ne pleurez pas. Il y a l'argent sur vous. C'est pour ça que les gens vous disent tous les jours que Maman, tu as l'argent, tu viens pleurer, c'est que tu n'as pas l'argent. Vous avez l'argent. Pour utiliser le soc, tu vas aller dans la vidéo de YouTube. Va sur YouTube. Tu tapes le nom de ma page, The Gift Digger Academy. Il y a tellement de témoignages qui arrivent. Il y a des gens qui n'ont même pas encore acheté mes produits. Donc, mon produit n'a pas encore touché ta main. Tu vois déjà les résultats dans ta vie. J'ai les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui me contactent. Hein. J'ai les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Bon. Tu m'écoutes depuis quelque temps. Voilà, voilà vos témoignages. Rosine Téné. J'attends vos témoignages. Ils vont souvent poster ici, là. Hein. À moins que ce soit le témoignage où tu dis qu'on t'a donné 1 milliard pour que tu aies peur que, pour avoir peur que les gens vont venir prendre ton argent. Mais faire le témoignage ici, les gens vont voir.
Que le savon d'araignée, là, c'est la magie. Laissez. Vous allez marcher en route comme ça, les gens vont vous arrêter que pardon, prends l'argent. Que ma chérie, tu es belle. On te drague quand t'envoies la voiture, mon frère. Et c'est parce que aussi vous êtes paresseux. Et je vais dealer avec ça ce matin. Si vous avez le témoignage, écrivez ici. Les gens vont lire. Tu viens, tu vois ma vidéo. Bonjour le roi Changa. Tu vois, tu tombes sur ma vidéo. Pas sur la page YouTube. Fouille seulement les vidéos. Le soir que tu mets 7 graines dans ta main, 7 graines dans ta bouche, le matin, sans parler à quelqu'un. Donc, mettez vos réveils à 4h30. Quand vos femmes dorment, tu pars dans la douche. Ou bien n'importe où, une pièce reculée. Si tu vis seul dans ta maison, c'est super. Tu te lèves, tu fais ça. Tu dis ce que tu veux. C'est pour ça que vous allez voir que vos désirs vont commencer à changer. Tu ne vas plus vouloir la petite starlette qui balance comme ça, là. Tu vas demander, je veux le Range Rover. Ou c'est la Range Rover. Peu importe le ou la qu'on met devant, tout ce que c'est, c'est que le Range Rover est là-dedans. Quand tu recherches le travail, tu ne trouves pas. Il faut enlever le voile sur toi. Il faut te débloquer. Donc, tu demandes le kit déblocage et le kit attirance. Il y a les savons qui enlèvent le voile sur le visage. Il y en a parmi vous, vous-même, vous savez que vous avez le boisson. Donc, tu sais. Tu sais. Donc, tu prends le soc 7-7. Tu parles. Comme ça pique quand tu manges là. Ça nettoie ta bouche et ça te donne la puissance. Il y a les boules de commandement aussi que vous pouvez joindre à ça. La boule de commandement au Cameroun, c'est 10 000. En Europe, c'est différent quand vous prenez chez mes représentants. Tu mets l'eau dans ta bouche, tu parles. Si quelqu'un te doit de l'argent, tu appelles son nom, tu fais ça 9 jours. Même si c'est 5 000 sur 50 millions, la personne va t'appeler pour te donner. Tu prononces le nom de la personne, la somme que la personne te doit. Béatrice, écris encore sur WhatsApp. Tu as compris, non? Tu finis de dire tout ce que tu veux. Tu veux construire ta maison. Tu veux avoir ton visa. Tu veux, je sais pas ce que tu veux. Tu finis maintenant. Tu fais comme ça 7 fois autour de ta tête. 7 fois. 7. Tu jettes. Quand tu jettes, peu importe, c'est des petits, petits grains. Tu jettes ça dans la chambre, après tu vas nettoyer. Tu jettes dans la cour, après tu vas nettoyer. Donc, c'est pas un problème. Boule de commandement, c'est pareil. Tu prends ta boule de commandement. Premièrement, ta boule de commandement fait l'effort de marcher avec. Même pas que fait l'effort. Marche avec ta boule de commandement. Que le grand frère de ton mari est venu. Peut-être il parle chaque jour de mal de toi à ton mari. Il y a les sensations que vous avez sur les gens qui. Ces gens-là ont concrétisé, ils sont partis faire les choses contre vous. Quand vous allez commencer à vous laver le sel, commencer à parler, vous allez voir. L'esprit va vous montrer dans la nuit. L'autre a pris, il y a le parfum, débloque-moi. Il y a une dante, les filles, elle a acheté ça. Elle a commencé à mettre sur elle. Pour Yaoundé, je vais faire l'effort de venir à Yaoundé cette semaine encore. Elle a mis le parfum, débloque-moi sur elle. Elle a mis. Ah. Elle arrive au boulot. C'était tous les témoignages dans le direct. La patronne la vient la voir dit, tu as mis quoi sur toi? Je n'arrive pas à te contrôler. Oh, ah, elle ne pouvait pas retenir l'autre là. Elle est devant les gens. Tu as mis quoi sur toi? Je n'arrive pas à te contrôler. Le parfum débloque moi. Souvent, tu peux faire ton lavage avec. Quand tu jeûnes là, 3 jours par mois, tu prends, tu verses dans l'eau. Un peu. Tu mets le sel dans l'eau. Tu pries sur ça. Après, tu te laves. Tu te laves. Vos gens là vont lire. Voilà. Tu as pris le savon d'araignée l'autre jour. Tu as lavé ta figure avec la nuit. Tu as rêvé que tu enlevais le filet du poisson sur ton visage. Voilà.
Écoutez, les gens-là vont plus se cacher. Maintenant, ils vous disent que quand vous allez les voir, tu n'auras plus peur. Merci Solange. Bonjour, bonjour. Le savon, là, il te donne ça même petit comme ça. Hein. C'est pas beaucoup. Petit comme ça, là. Si je suis au Cameroun, il te donne petit comme ça, 3 000 francs. Et je dis que pas. Et ce que je lave même, j'ai même ça dans le lavage une fois. Pas à la maison. Fais seulement ça, je te lave. Donc, comme c'est petit, là, fais seulement un peu. Tu mets sur le visage. Et tu parles. Tu vas confirmer. Le parfum des blocs, moi, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000. Voilà, Clara dit, à peine reçu les produits du kit déblocage, avant de me laver, les clients m'ont contacté pour les commandes. Une autre m'a demandé de faire la pub de mes produits dans sa page alors que nous travaillons ensemble. Mais ne faisais jamais ça à mes produits. J'ai lavé une seule fois, voilà. Avec le jeûne. Ce matin, c'est la deuxième fois. Une femme qui contrôle un homme marraine, que faut-il faire, s'il vous plaît? Marina Kamga, d'abord votre maison. Quand moi, je prends quelqu'un, quand vous venez à moi, préparez votre argent. C'est pour ça qu'elle dit que le début d'abord, hein, quand tu te laves avec le sel, lave-toi d'abord. Quand les gens là vous bloquent, il faut déjà que tu n'aies pas 5 francs pour payer les produits. Il y a un démon qui a parlé ici l'autre jour à travers la femme, une femme. Il a dit que on a séché son argent pour qu'elle ne vienne même pas ici. Et elle avait commencé peut-être 2 ou 3 jours à se laver avec le sel. Elle est venue se laisser assise sur ma chaise ici là. La chaise de l'argent. Mon canapé, vous avez vu l'autre jour, vous avez dit que vous aimez là. Elle s'est assise, elle m'a attendu, j'étais à Yaoundé. Pendant qu'elle est là, son beau-frère dit, tu fais mon quoi? Tu as besoin de quoi? Là, on lui envoie 15 000. Elle a une fois, donc comme c'est arrivé dans son compte, là, elle a une fois transféré que prenez. Voilà l'argent de ma concession qui est venue. Elle a encore cherché le reste, elle est venue compléter. Il y a tous les produits là en France. On envoie encore les produits en France ce soir. Oui, le soc, on va envoyer ça aujourd'hui. Donc en France, il y aura le nom. Je vais envoyer beaucoup parce que ça devient même rare sur le marché. Vous avez compris? Quand vous partez, prenez même 3, 4. Je veux que vous armez vous. Armez-vous. Quand on met les témoignages, ça, je veux que vous voyez. Il y a tellement de témoignages que je ne peux pas. Maintenant, comme on a fait vendredi la séance de témoignages, là, je vais commencer à recenser tout ça. L'autre s'est lavé seulement avec le salaire, elle m'a même encore vu. On a le 130 000. Elle a pris les 130 000 là, venir payer ses produits. Payer ses produits elle-même pour commencer son business. Ta copine t'a trahi. Hein. Elle est venue te demander des excuses à minuit. Tu as dit que c'est Dieu qui t'a montré son vrai visage. Voilà. Quand quelqu'un te montre son vrai visage, crois en ce qu'il te montre. Tu sais que c'est même, il faut même la grâce de Dieu pour que la personne quitte à côté de toi. Pour que tu voyes. Marina Kamga, pour toi d'abord, il y a ta maison. On va travailler d'abord sur ta maison. Il y a les produits que tu vas donner, tu vas mettre chez toi. Ce qui fait que même c'est n'importe qui. Après, tu ne peux pas passer ta fenêtre ou ton mur. D'abord. Deuxième chose, tu te laves toi-même. Tu prends l'huile de blindage. Troisième chose, il y a les produits que tu vas boire. Quand c'est comme ça, généralement, il y a les mauvais esprits qui sont là plantés dans tes trompes, les choses comme ça là. Je suis arrivé à Yaoundé, il y avait une dame qui est venue, elle était troisième femme. Troisième femme. Elle dit que son mari voulait prendre une quatrième. Et que depuis 1 an et combien qu'elle a conçu sa maison. Il n'a pas fini le chantier. Elle vient me dire que vraiment, un jour dépassé. Et même sa boutique, elle voulait ouvrir sa boutique aussi pour vendre ses choses. Je lui ai dit que tu sais quoi, mamie? Elle a payé les produits le jour-là.
Je dis que si vous venez, vous avez 5 000, il veut donner pour 5 000. Si vous venez, vous voulez vraiment sortir votre truc, même si quelqu'un veut les produire 400 000, il veut te donner pour 400 000 aujourd'hui. Lave-toi. Prends le sel qu'il a accusé de ta femme. Lave-toi avec. Lave-toi avec. Elle est partie, elle a tapé 3 jours de jeûne. Au troisième jour, elle particulièrement, elle dit qu'il faut que je prie avec toi, je dois faire des déclarations sur toi. Quand on se parlait, elle me dit que son mari lui a promis de donner l'argent aujourd'hui pour qu'elle finisse son magasin, pour qu'elle ouvre son magasin. Et elle dit que depuis peut-être 8 mois, vous allez, le mari ne passait même plus chez elle. Maggie Benzine, ne dis plus que tu es veuve. Tu as compris, ma chérie. Ne dis plus que tu es veuve. Arrêtez de vous dénigrer. Veuve, c'est juste. Tu as juste perdu l'homme avec qui tu étais, c'est tout. Les gens se quittent, se séparent souvent des hommes, non. L'homme là pouvait être en vie, ne s'occupe pas de toi. Donc, arrêtez de mettre les étiquettes sur vous. Tu vas arriver quelque part, comme ça, je suis veuve. Ouais, ayez pitié de moi. Si quelqu'un m'écoute déjà depuis 10 jours, même 5 jours, ne te vois pas comme quelqu'un. Stella Ziza, quand il va venir pour prendre les choses, comme c'est ton ex-mari là, tu nous dis on emballe bien et on lui livre même. Parce que s'il vient ici, il va voir ce qu'on fait. Faites très attention, ce n'est pas n'importe qui doit porter vos produits. Il y a une là en France. L'autre jour, quelqu'un devait prendre ses produits pour partir avec. Donc on est arrivé, on a déposé, la personne a refusé. Elle ne savait même pas ce qu'elle est dans elle. La personne a refusé de prendre. Celle-là se fâchait que wow, elle n'a pas pris mes produits. Pour dire que non, ce n'est pas n'importe qui doit toucher ta chose. Soren, j'ai habité à Dick fatigué que toi là. Continue de rester, tu ne me parles pas, non. Toi là, Soren, particulièrement toi. On t'a beaucoup attaché. Vos oncles et vos tantes veulent votre mort. Bon. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques trucs que vous pouvez faire. Voilà votre témoignage du sel. Louena, est-ce que tu te laves avec le sel? Bon. Les deux choses par lesquelles on peut vous atteindre. Première chose, on peut poster au Congo. Tu as compris, Elise? On poste au Congo. Tu payes l'envoi, c'est peut-être 15 000, 10 ou 15 000, on t'envoie ça au Congo. Oui. Les deux choses qui peuvent vous atteindre. Les ruptures amoureuses et vos enfants. Rupture amoureuse et vos enfants. Rupture amoureuse, pourquoi? Tu sors avec quelqu'un. J'ai quelqu'un aux États-Unis. Donc de là-bas, il peut poster au Canada. Bonjour, bonjour. T'as sommeil avec la prière. Guigui, laisse ça René. Toi qui tu as les mauvaises odeurs, là, commence à te laver avec le sel d'abord. Je crois qu'on a mis un esprit de rejet sur toi. Arrêtez de dire que je vous aide. Je vous ai dit, vous m'écoutez. C'est votre première fois, deuxième fois, troisième fois. Ce soir, lavez-vous avec le sel. Parce que le lavage au sel va commencer à révéler les choses. Deuxièmement, le lavage au sel va vous donner la force. Parce qu'il y a les couches de choses sur vous. Vous ne voulez pas me laisser enseigner aujourd'hui. Il y a les couches de choses qu'on a mis sur vous. Certaines personnes, ça fait même déjà 10 ans qu'on va pratiquer sur vous.
Certains d'entre vous, vos femmes préparent les nourritures, mais les produits de manipulation dedans. Donc là où vous êtes attaché, votre esprit même ne réfléchit pas pour vous-même. Vous comprenez, non? Vous-même, vous n'avez pas. Donc, tu es là comme ça, tu es commandé. Tu es télécommandé. Si quelqu'un t'a arrêté, t'a dit de faire attention, il fallait lui demander ce que ça veut dire. Tu vas me demander ce que ça veut dire, pourquoi? Pour Douala, là, je vais commencer à consulter même vers 14 h. Laissez-moi, j'enseigne un peu. Parce que ça va vous aider. Edwige, si tu es entièrement en observation avec ton lavage, je sais que ça ne va pas marcher. Tu l'as fait avec la foi. Que ce que je fais là, ça va me libérer. Yaoundé, Yaoundé, Woho, Yaoundé. Avant la fin de la semaine, je vais venir. Bon. Les deux choses par lesquelles on peut vous attacher. Relation. Et quand tu es dans une relation avec quelqu'un, c'est un esprit qui pousse la personne pour qu'il vienne te faire du mal. Écoutez-moi bien. Ton commerce est bloqué, tu prends le kit commerce. L'ennemi va mettre. Parfois, quand on travaille sur vous, on fait du mal. Laissez-moi, j'enseigne un peu. Je vais plus lire vos commentaires. Vous avez compris, non? Je ne lis plus les commentaires pour l'instant. Quelqu'un va travailler sur toi au village ou bien n'importe où. Il fait de telle façon que tu vas attirer les clients qui vont te déranger. J'ai même les clients, les hommes. Quand un homme vient derrière toi, tu vas attirer le genre d'homme qui a un esprit qui va vouloir t'opprimer, te faire du mal. Le genre d'esprit qui va souvent dire. Donc, parfois, quand il commence à parler, il est gentil, il est doux. Mais souvent, il reste comme s'il te donne les paroles. C'est l'esprit là qui l'influence. L'esprit là l'influence. Et quand l'esprit l'influence, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il te fasse du mal. Il faut qu'il te fasse du mal. Et quand il te fait du mal, toi-même, l'esprit là vient t'opprimer. C'est bien que tu acceptes aussi. Tu te dis, ah, c'est l'amour, non? Il te laisse peut-être à la maison. Il sait que tu n'as pas l'argent pour préparer. Il part. Il ne donne rien. Toute la journée, tu as faim. Il rentre à 18 avec la nourriture pour manger. Il mange, il donne un petit, il passe au coucher, il dort. Ou bien, vous connaissez ce qu'ils vous ont fait, non? Et quand il est avec toi aussi, parfois, toute ta destinée est bloquée. Tu noircis. Tu noircis seulement. Tes idées partent. Annette, on veut te prendre dans la sorcellerie. On veut te faire du mal. Toi que le chien a bondi sur toi là. Et quand l'homme s'il te quitte, tu vas faire le choix. Bon, tu vas passer même 15 ans. Vous faites in-out. Vous êtes ensemble. Demain, vous engueulez. Vous insultez devant tout le monde. Oh, boum. Après, vous remettez ensemble. Après, tu ne veux plus. Après, vous remettez ensemble. Et vous voyez que vous n'avancez pas. Tu dois
Généralement, c'est les femmes qui vont beaucoup souffrir de ce que je suis en train de dire là. Tu t'es séparé de lui, oh, c'est le père de mes enfants. Tu t'es séparé de lui, eh. Tu as oublié tout le mal qu'il te faisait. Tu as oublié comment il t'insultait, comment tu es grosse. Aucun homme, si il te laisse, aucun homme ne peut plus t'aimer. Tu as oublié. Te voilà à la maison, tu es couché sur le lit. Tu déprimes. Il ne m'a pas appelé. Oh, tu te tournes. Tu penses à lui. Tu te tournes. Tu marches même en route, tu vois son modèle de voiture passe. C'est presque l'envoûtement. Tu essaies de faire même le business. Tu n'arrives pas à réfléchir. Tu vas t'asseoir. Hein? Tu mets l'ordinateur devant toi. Aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Voilà. Tu te mets. Tu es devant l'ordinateur. Après, tu passes sur TikTok. Après, une chanson passe, tu dis, oh, c'était notre chanson préférée. Oh. Après, tu te couches. Quand tu penses comme ça, les émotions, tu sens comment ton corps, les émotions commencent à te secouer. Ton corps, comment tu... Après, tu dis qu'il faut que pas manger. Tu te lèves, poup, tu pars dans le frigo. Oh, Dieu. Faut que vous voyez un peu la télé. Hein. Vous voyez un peu le show, là. Qu'est-ce qui se passe à la télé? Tu pars à la télécommande. Ok, il faut que je dorme un peu. Je vais me lever à 4 heures. 8h30. Oh, les enfants sont... Ok, ils sont allés à l'école seule. Ok. Tu restes un peu à côté du poteau, comme ça, là, tu vois un homme qui passe avec sa femme dans la voiture. Je suis une femme seule. Moi, c'est parce que je suis trop... Je poussais même quoi sur mes objectifs. Si j'étais aussi calme, si je me soumettais aussi. C'est parce que voilà, ce qu'on est aussi dans la voiture, comme cela, on passe. Ce qu'on passe aussi dans la voiture, comme eux, non. Tu ne connais pas ce que la femme qui est dans la voiture l'a endure. Tu ne connais pas. Peut-être dans la voiture, elle dit seulement que... Non, si je me bloque n'importe comment. Attends, je vais partir de chez toi. Les mouches ont rempli ton chevet. Waouh. Toi, là, tu as commencé les combats. Hein. Et déclare ta victoire, Clarisse Onana, au nom de Jésus. Clarisse Onana, après, il faut que tu prennes le kit fondation. Après, le kit fondation. Je veux que vous voyez comment votre cœur, comment ça vous prend. Quand tu les vois passer comme ça, là, tu commences à voir là. Tu passes même les 2 prochaines heures. Après, tu te sens mal. Tu dis que, ok, il faut que je parle. Il faut que je parte sur la chaîne. Suis pas un peu sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Tu pars dans les statuts des gens. Tu vois le couple là qui fait les photos. Tu regardes. Voilà. Voilà la 8e relation que j'arrête en 2 ans. Je suis une mauvaise femme. Je ne vais jamais me marier. Regarde-moi, je suis une mauvaise femme. Je n'arrive même pas à maintenir un homme à côté de moi. Il est 9h30. Et... Après, tu te dis. Il faut que j'aille chez ma copine. Tu te lèves, tu pars chez ta copine, tu t'assois. Et comme ta copine fait le Congo, ça, trop, trop, trop là. Eh ben, va dans tes oreilles. Oh, hi, ah. Tu déprimes. Tu te sens bien quand tu es chez elle. Mais ce qu'elle a en train de parler avec toi, ça ne te fait pas avancer. Après les 14h, tu cours. Il faut qu'elle rentre vite à la maison. Tu arrives. Tu peux pas un truc rapidement. Le riz sauter. 15h, c'est prêt. Les enfants rentrent de l'école. Alors, moi, ta journée a été finie.
tes émotions sont en train de te contrôler. L'autre option, tu étais avec l'homme, tu voulais partir. Il t'a piégé, il a dit que ses enfants ne quittent pas de sa maison. J'ai une femme qui est venue pour la consultation un jour. Elle me dit que son mari, qu'ils sont mariés. Qu'elles ont marié. Ils n'ont pas eu d'enfant. Après, on découvre à l'hôpital que l'homme ne peut pas avoir d'enfant. Elle part, elle fait les enfants dehors. Elle amène à la maison. Ils ont les problèmes. Elle part, elle veut prendre ses enfants, l'homme refuse. Parce que sur l'acte de naissance, c'est lui qui a reconnu les enfants. Il reste avec ses enfants. Il sait que ce ne sont pas ses enfants. Mais il sait que si elle est loin de ses enfants, ça va lui faire mal. La femme dit, ça fait 2 ans qu'elle se sépare de l'homme là. Je n'arrive pas à voir mes enfants. Quelques week-ends, une fois par mois, 2 fois. Ils viennent pour 2 jours à la maison. Quand lui dit, je vais me donner mes enfants, il dit que si tu veux les voir, si tu veux tes enfants, viens à la maison t'installer. À votre avis, vous croyez que l'homme là va aimer les enfants de la femme là? C'est pas le mauvais cœur que c'est quoi? Mais dans le genre de femme qui part, elle laisse ses enfants. Vous pensez que ça va facile pour elle pour avancer? Il y a d'autres parmi vous, vous êtes en bain. Ça fait 8 ans que tu n'as pas vu tes enfants. Tout le petit, tu travailles un peu, tu économises l'argent. 8 000 euros, on a pris, piouk, dans l'eau. 5 000 euros, dans l'eau. 2 000 euros, dans l'eau. Chaque fois, on te donne un réseau, ça part. On te montre un réseau, ça part. Certains parmi vous, on a attaché vos enfants ici au Cameroun. Il y a des gens qui sont partis, ils ont mis l'argent en jeu. Que quand même a quitté là, elle a pris ses enfants, elle est partie les garder chez sa mère. Les enfants ne vont jamais la retrouver là-bas. Tu as déjà tout fait. Bon, voici maintenant ce que vous devez faire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écrivez bien ici. Ma chérie, que ce soit l'homme qui est venu de partir, que ce soit que tu es veuve, que ce soit les enfants qu'on t'a éloigné d'eux, première règle numéro 1, personne n'est ton Dieu. Avant que tu rencontres l'homme là, tu vivais non? Moi, je me dis toujours que je parlais à l'image que j'ai dans ma tête. Si je meurs, l'homme-là ne va pas venir qu'on l'enterre avec moi. Les enfants-là, on ne va pas les enterrer avec moi. Écoutez-moi bien. Deuxième chose. Rappelle-toi des mauvaises choses que la personne-là t'a fait. Parfois, la femme est rapide à oublier. Quand des émotions commencent, tu vois, ça fait 2 mois que tu n'as pas fait l'amour. Tu commences. Écoutez-moi bien. Arrête ton corps.
Tom, non. Parle à ton corps. Corps, listen. Cœur, écoute. Tu dois pomper le sang. Ne pompe pas sur mes enfants. Ne pompe pas sur le gars là. Tu comprends? Il y a des gens qui connaissent que si tiens ton enfant, ouf, va te faire le chantage. Oh, je veux voir l'enfant. Je veux parler en vidéo avec l'enfant. C'est quand il rentre, quand il veut. Parfois, il faut que tu lui envoies même un petit. Oh, j'avais même tel souci là. Et c'est chaque fois que tu appelles qu'il te donne le souci là. Écoute, ma chérie, on accouche d'autres enfants. Et les gens qui accouchent, tous les enfants meurent. Il y a les femmes qui ont ça, leur mari meurt. Rappelle-toi du mal que la personne là te faisait. Rappelle-toi comment quand tu étais avec lui, tu avais pour projet d'aller, tu veux aussi vendre ta marchandise. Dès que tu viens après, il te dit non, tu dois rester à la maison, t'occuper des enfants. C'est même quoi le commerce que tu vas aller faire? Après, quand tu demandes l'argent, même pour seulement faire un petit truc au village. Il y a la fille, il y a le deuil, les funérailles de la grand-mère. Tu dois marcher derrière lui 2 mois pour qu'il te donne 20 000. N'oublie pas ta souffrance. Il y en a parmi vous, il est venu dans ta ville, a pris tout ton argent. Rappelle-toi de la sueur. Oh, il a pris mes 5 000 euros. Rappelle-toi comment tu as économisé l'argent là en 2 ans. Ou en 1 an. Rappelle-toi comment il était avec toi. Il entretenait la mère de ses enfants au pays. Rappelle-toi le jour où tu as vu les messages. Et quand tu l'adresses, tu lui parles des messages, là, il te dit que ah, il n'a pas l'amabilité. Il n'a pas la bienséance. Il te dit, ma chérie, tu sais quoi, excuse-moi. Il ne t'a jamais demandé pardon. Il ou elle. Hein. Personne n'a jamais dit, je suis désolé. Rappelle-toi comment on te prenait comme une moins que rien. Avant de te dire que, ah, tu sais, l'homme c'est comme ça, non? Moi, je m'en pardonne, tu avances, non? Te voilà encore demain, cougna, cougna. C'est toi qui coupes l'appeler. Comment tu vas? Tu n'as pas remarqué que c'est tout toi qui lui écris? Tu n'as pas remarqué que c'est tout toi qui lui écris? C'est quel genre qui t'a donné que tu n'as jamais vu? Donc, c'était la première fois de ta vie, c'est lui qui t'a dévigé. Si vous ne faites pas comme ça, là, tu vas te lever pour aller au magasin travailler. Parce que tout fonctionne avec les ondes. Peut-être c'est pour ça que depuis, tu ne vends pas. Tu arrives au magasin, tu es comme ça, là. On arrive, on voit ta mine. Dans ta tête, c'est seulement, pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? Ah, on m'a dit qu'on l'avait vu une nouvelle femme. Ma chérie, elle est passée à autre chose. Elle est déjà passée à autre chose. S'il a pris les enfants, reste. Tu dois t'enseigner. Tu vas devant le miroir le matin, tu te regardes. Tu dis, Jocelyne, tu es forte. Je suis forte. Je peux tout accomplir à travers Christ. Tu laisses, tu vas sentir comment une énergie va venir. Une énergie va venir, ça va te fortifier. Si vous avez entendu, vous êtes entendu que c'est les. Il y en a même parmi vous, vos enfants. Tu reçois ton enfant en Europe, l'enfant pas porté plainte contre toi. Ouais, l'enfant, il va me tuer. Il y a des gens qui accouchent, l'enfant meurt. Tu as parlé à ton enfant. Depuis, tu as fait 8 ans en Europe, dépenser, dépenser, l'enfant est venu en bain.
Tu as tout fait. Tu le mets dans l'école. Tu fais tout. Il part marcher seulement avec les gens qui ne sont pas bien. Si l'enfant meurt, tu meurs. Ça va profiter quoi? S'il veut mourir seul, qui meurt? Même à 45 ans, on accouche. Mais va sur tes genoux, tu dis que Seigneur, donne-moi notre enfant. Que Seigneur, je veux notre enfant, Seigneur. C'est... Donc, arrête ton cœur. La quatrième chose que je te demande de faire, entoure-toi des personnes qui vont t'encourager. Même si c'est une personne. Tu es tombé dans les bras du gars là, avec tout le mal qu'il te faisait là. Tu as une copine qui faisait que t'encourager de rester là-bas, non? Ne lui parle pas de... Ne lui parle plus. Elle t'appelle, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Tu t'es séparé de lui, tu vas bien. Je vais bien, je vais bien. Ne lui dis pas comment tu te sens. Parce que quand tu ouvres tes émotions à la mauvaise personne, la personne a le pouvoir sur toi. Ah, depuis qu'il est parti, il ne m'a pas appelé. Maman, tu imagines, on vivait ici dans la maison, dans l'ensemble. Vous savez quoi? On vivait ensemble dans la maison. Tu imagines, je l'ai fait venir du pays. Elle arrive ici, là. Elle me quitte. Même m'appeler. Mouf. Faut que ton ami te dise que Mouf qui est là-bas. Tu étais mon d'abord bête. Tu l'avais fait venir du pays. Pourquoi? Regarde comment elle te manquait de respect. Au lieu que la personne te dise, ah, papa, tu as essayé de l'appeler. Hein? Tu l'as parlé à quelqu'un qui va te dire, mais mon frère, tu vois pas comment tu étais trop bête. Elle prenait ton argent, l'envoyait à son gars au pays. Tu n'avais pas remarqué toi que tu étais bête, tu étais devenu étourdi depuis que la femme était ici. C'est pour ça que tu as même envoûté. C'est même bien. Cherchez dans votre entourage les gens qui vous aiment. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dit la vérité pour ton bien. Pas ce qui va faire plaisir à ton cœur pour le moment. Quand la personne va te parler à l'extérieur comme ça, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un combat. Et beaucoup d'entre vous, quand tu te sépares de quelqu'un, tu sens que c'est trop dans toi là. Il y a des trucs spirituels qui sont attachés à ça. Parfois, la personne était bien. Elle avait vraiment l'intention de faire les bonnes choses avec toi. Mais il y a un esprit qui te contrôle, qui fait que tout homme qui, ou toute femme qui vient avec toi, son argent finit, ou bien devient embrouillé. Et quand la personne a commencé avec toi, c'est ça qu'il a pris. Donc en fait, travaille seulement sur toi. Il y en a aussi que quand vos partenaires là, ont le mauvais cœur. Donc quand ils viennent avec vous, ils commencent à, ça révèle seulement le mauvais cœur. Leur mauvais cœur là, ça expose seulement en plein jour. Que tu ne me trompais pas parce que tu n'avais pas l'opportunité. Maintenant que tu as l'opportunité, tu as un peu d'argent qui est entré dans. Avec ça, tu peux maintenant envoyer une petite éon. En fait, ton mauvais cœur était là depuis. Ça a juste été exposé. Croyez en ce que les gens vous montrent, pas en ce qu'ils vous disent. Donc, numéro 5. Vous devez vous mettre et briser le sort. Vous devez briser ce sort. You have to break the spell. Comme je dis encore, c'est comme si elle m'a envoûté. Il y en a parmi vous que certaines de vos relations, c'est l'envoûtement. Que ta personne là est partie. Il a fait quelque chose. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Je n'ai que 14 partages sur la vidéo. C'est comment avez-vous? Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Pour briser le sort, tu te mets. Écoutez, votre parole a du pouvoir. Ceux qui peuvent, et vous avez le ndolé chez vous, ceux du Cameroun,
Tu prends trois feuilles d'indolin. Tu frottes ça aujourd'hui. Tu vas frotter ça va mousser. Tu frottes ça mousse. Tu frottes ça mousse. Tu retires l'eau là. Tu te mets. Tu déclares. Tout homme avec lequel j'ai couché, depuis que je commence à que j'ai connu l'homme là, toute femme avec laquelle j'ai couché, moi, telle personne, tu dis ton nom. Je me sépare des mauvais esprits que tu m'as passés. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, je me sépare de toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Tu prends le plat, ce que tu viens de l'eau d'une douleur là. Tu laves ta partie intime avec. En lavant, tu parles. Que ce soit les maris de nuit générationnels, que tu étais marié avec ma mère, tu es venu te marier avec moi. Je me sépare de toi. Toute amertume que tu as mis dans ma vie. Écoutez, hein, vous allez vous délivrer vous-même. Toute amertume que tu as mis dans ma, que tu as apporté dans ma vie. Comme le ndolé si amer, pendant que je lave ma partie intime comme ça, là, ça part. Je peux faire ça pendant 3 jours. Tout mauvais esprit qui me contrôle, parce que j'ai couché tout sperme maléfique qui est entré dans moi. Parfois, vous couchez avec des gens qui sont possédés par les grands esprits. Parfois, les gens que quand vous couchez avec eux comme ça, là, ils prennent seulement votre étoile. Après, tu vas voir que 2 semaines, il a la voiture, une nouvelle voiture. Écoutez bien, je répète. Tout mauvais esprit qui m'a suivi à cause d'une relation sexuelle que j'ai eue avec quelqu'un, tout envoûtement, toute amertume dans ma vie à cause d'un homme ou d'une femme avec laquelle j'étais. Comme je me lave là, tu laves. Si c'est l'homme, tu laves ton sexe. La femme, tu laves ton sexe. Je me lave comme ça là, j'enlève. Au nom de Jésus. Je divorce de tout mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ça le matin, de préférence. Tu peux faire le matin, soir. Moi, je dis toujours que quand tu fais ton travail, même si tu fais beaucoup, c'est toujours mieux de faire beaucoup. Mais c'est que vous, j'ai fait une fois. Fais beaucoup. Mais t'as fait plus. Parce que plus ça va pas nuit. Mais si tu fais moins. Tu fais ça, tu te laves. Après, tu mets ton sel dans l'eau encore. Tu parles sur le sel. Tu lis ton psaume 35, 91, 23. Tu te laves avec l'eau. Tu te laves. Bonjour. Si vous avez le parfum, débloque-moi. Après avoir fait ce rituel, vous mettez ça sur vos bras. On vous contrôle beaucoup. Vos bras et ici, là, l'estomac. C'est pour ça que vous avez les ulcères. Je vous ai montré comment on utilise l'huile de blindage. Donc, tu reçois ton huile de blindage. Tu mets une partie dans l'huile pour t'écouter, pour te oindre. Pour l'Europe, je vais trouver un moyen. Je vais voir si je peux synthétiser ça et j'envoie dans des petites boîtes. Comme ça, on congèle pour vous donner. Parce que généralement, celui qui voyage, c'est là, il quitte le matin. Il arrive là-bas 7 ou 8 heures après. Donc, je vais voir si je peux synthétiser ça pour vous. L'huile de blindage, tu prends l'huile. Une partie de l'huile, tu mets dans ton huile pour te wendre. Peut-être le 1/3. L'autre, c'est pour faire chaque matin. Tu prends l'huile avec ton majeur. Tu bloques ici. 3 fois. Tu bloques 3 fois. Tu prends encore ici là. Tu bloques 3 fois. Derrière ici. Le cou. Tu bloques là-bas 3 fois. À chaque fois, tu mets dans l'huile. Tu bloques. Tu bloques le dernier en bas du nombril.
Si vous m'écoutez, vous faites ce qu'elle dit. Hein. Vous allez enlever même 30% des trucs qui vous bloquaient. L'argent va commencer à venir. Vous allez maintenant venir me payer. Je vais moi-même vous toucher. Vous comprenez? Aux Émirats, je vais vérifier aujourd'hui, mais je pense qu'on peut, on a ouvert le voyage pour les Émirats, parce qu'avant on ne pouvait plus envoyer. Ils vous contrôlent beaucoup, vos bras, les parfums débloquent moi là. Lavez-vous avec ça. Tapez 3 jours de jeûne. Après, tu prends ton huile d'attirance. Tu prends ton huile d'attirance. Voilà comment on met l'huile d'attirance sur soi. Hein. Tu as mis dans ta main, non? Voilà comme je mets toi comme ça là. Je déclare que j'attire toute personne qui devait me donner l'argent aujourd'hui. Toute personne qui devait, même si c'est quelqu'un qui devait me draguer, oh, tu me vois aujourd'hui. Tout voile qui avait été mis sur moi, j'enlève. Je déclare la faveur sur moi au nom de Jésus. Tous mes produits, quand vous mettez sur tous les bras, le visage et le cou, voilà les endroits qui vous utilisent pour vous attacher. Quand vous jeûnez, faites beaucoup de tridôme, s'il vous plaît. 3 jours. 3 jours. Si le marabout vient faire sa publicité et que tu cliques sur ça, c'est bien pour toi, non? Tu veux qu'il te dise quoi? On m'a envoyé pour vous libérer. Il y a une dame qui est venue ici, là. L'esprit qui est en elle dit que ça fait 15 ans qu'on l'a attachée. Même sa mère, on l'avait attachée. Il lui dit que je suis là pour libérer la femme si elle va se marier. Elle va se marier. Il me dit, tu es qui? Tu es qui? J'ai dit que mamie. Ceux qui m'ont envoyé là, hein, ils sont trop nombreux. Tu vas rester dans quelques mois, tu vas regarder ta vie, regarder ton parking, regarder la maison dans laquelle tu vis, tu vas dire que hey, tu étais censé avoir ça depuis longtemps. Tu étais censé avoir ça depuis longtemps. Et ton vrai homme va te localiser. Il y a les esprits en vous qui repoussent les hommes. Qu'on a mis ça à ta naissance. C'est pour ça que tu dois commencer. Quand tu commences à te libérer maintenant, quand tu rencontres l'homme, il a l'intention de faire quelque chose, il fait jusqu'au bout. Quelqu'un vient faire quelque chose dans ta vie. Donc, maman, le démon l'a dit que l'espère, ils sont venus, que l'autre était quitté de tel pays. Il dit qu'il vient d'épouser, non. On l'a bloqué. L'espère, ils ont vite ouvert les comptes, après ils ont fermé eux-mêmes. Parce que les hommes là, initialement, ils avaient vraiment. Donc, quand ils te voient comme ça, là, ils disent que non, mamie. Je dis que je vais te. On fait le toquet porte avant que je rentre en bain. Quand il rentre en bain, pap, il commence à faire tes papiers. Un mois plus tard, son cœur commence à changer. L'esprit a dit que, pour la femme là en particulier, il bloquait tellement les affaires de l'homme que l'homme se fatigue. Que depuis que j'ai rencontré la fille, j'ai trop de problèmes. Après, il la laisse. Donc, pendant que vous êtes encore single, là, comme ça, là, désenvoûtez-vous.
coupé. Le kit fondation que j'ai créé. Assiste tout. Prends le kit pour les fondations. Prenez le kit fondation. Ça va couper les choses qui viennent de votre village, de votre père, de votre gnagnagna et tous ces trucs-là. D'abord. Il y a maintenant le kit déblocage. Il y a le kit attirance et le kit étoile qui brille. Le kit étoile, c'est pour les gens que tu sais que tu es. Il y en a parmi vous que tu es censé être une star. Tu sais. Tu es tellement belle que tu sais que même modèle, tu aurais dû être top modèle. Tu as 45 ans, on te regarde toujours que mamie, tu es belle. On a bloqué ton étoile depuis longtemps. J'ai parlé avec le fils d'une femme là hier. Il était dans les promotions des joueurs qui sont dans l'équipe nationale maintenant. Il était à KSAV. Ces fondations, on n'avait pas coupé. Ce qui fait que la façon dont sa mère a vécu, il est en train de vivre comme ça. La façon dont lui a vécu, son enfant est en train de vivre ça. Donc il y a des trucs générationnels qui n'ont pas été coupés dans sa vie. Il est là, il est opprimé, tu le vois, l'alcool le dérange. Pour l'Allemagne, contactez-nous, vous donnez l'adresse, on va poster. On envoie les choses en Allemagne, peut-être jeudi comme ça là. Donc, il y a aussi le numéro de la représentante ici. Vous passez la commande chez elle. Et tu sais que quand tu as essayé une, deux, trois fois, quatre, cinq, six, dix fois, après tu te fatigues. Les gens là vont, ils vont vous laisser partir. Ceux qui sont sur votre tête depuis 20 ans là. Tu rencontres un homme. Un mois plus tard, c'est fini. Et il y en a parmi vous que vous ne rencontrez pas les hommes pauvres. Ha! Wow! Tu rencontres le genre d'homme que. Milliardaire! Déjà, ton étoile brille tellement que. Ils n'ont pas pu empêcher que l'homme là te voie. Footballeur, professionnel. Maintenant, quand il te recueille, oh non, il a vu, oh non. Bloquons maintenant. Les kits, il y a les kits de 25 000. Donc, il y a des kits de fondation, 25 000. Si tu prends ça, tu auras la réduction sur l'enseignement de la fondation. Parce que les kits vont avec des enseignements. Des vidéos que tu regardes et puis ça te montre comment faire. Oui, on envoie aussi à la réunion. Les consultations à distance. Je fais les kits parce que je ne peux pas consulter tout le monde à distance. Quand j'explique le problème, c'est pour que toi-même tu restes. Si tu parles, tu ressens ça en toi. Prends d'abord le kit, tu commences à travailler. Lui, célébrité, j'ai mis ça avec. Si vous demandez, je suis en train de faire le kit célébrité. Dans le kit attirant, c'est même des poudres que vous devez boire. Hein. Parce que quand ils font ça, parfois ils mettent des choses dans votre corps. Parfois vous dégagez des mauvaises odeurs. Tu fais n'importe comment. Il y a des poisons de nuit qui viennent mettre dans votre corps, dans votre ventre. C'est que dès que l'homme entre comme ça là, ce qu'ils ont mis là, boum, ça l'attaque. Il ne t'écrit plus. Il ne t'écrit plus.
Tu l'écris même, tu dis qu'il est occupé. Que je travaille trop. Oui, le kit commerce, il y a le kit commerce de 25 000, il y a pour 50 000. Si vous faites le commerce, je vous conseille de prendre pour 50 000. En tout cas, mes produits, hein, tu dépenses pour 25 000, tu auras toi-même le résultat de 25 000. Parce que j'ai les trucs que j'ai ajoutés dedans, j'ai mis les choses dans les kits là. Mais dans le kit célébrité, il y a le savon célébrité. Dans le savon célébrité, il y a l'huile célébrité. Maintenant, il y a aussi des trucs dont tu bois. Dans le kit là. Il y a aussi maintenant le gel pour se laver. Et aussi la poudre pour activer ton étoile. Bon, Loretta Demas, écris sur WhatsApp. On m'a envoyé le kit fondation. Au pays, le contact, c'est 680 71 0701. Et c'est le WhatsApp, plus petit que c'est le WhatsApp international là-bas. 00237 680 71 0701. Voilà. Ton blanc est venu ici. Quand il rentrait, il n'a même pas voulu que tu l'accompagnes à l'aéroport. Ah! Oh, ma chérie, on t'a fait ça dur. Hey! Hey! J'ai dit que je suis venu vous délivrer. Quand on entend les choses, ça m'énerve. Jesus. Vos familles, ah, je vous donne le chapeau. Mince. Le premier blanc vient, il part. Le deuxième blanc vient, il part. En fait, ma chérie, tu as l'onction pour attirer les blancs. Pas les petits blancs. Ma chérie, travaille sur toi. Oui, le kit commerce de 50 euros, là, ça, c'est le petit de 25 000. L'autre qui fait à 50 000, il est plus costaud que ça. Très lourd à envoyer en France. Donc, quand ça arrive là-bas, ils le font à 100 euros. Tu comprends, ma chérie? Ma chérie, si tu t'assois, je vous raconte ça parce qu'il veut que tu analyses ta vie toi-même. Tu dis que... Il dit que l'autre me dit même que le mari vient, il l'épouse. Il rentre en France, il tombe malade, il meurt. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Tu as le certificat. Tu as le certificat de mariage. Il n'est plus là pour faire les procédures. Tu es bloqué, c'est fini. Maintenant, te voilà encore, il faut que tu fasses toute la procédure pour divorcer. Il avait commencé même à reconnaître les enfants. Il est mort. Hey, hey, hey. Mesdames, réveillez-vous. Messieurs, réveillez-vous. Même pour les hommes aussi, hein. Ma chérie, ne t'étonne plus que la sorcellerie donne quoi aux gens, hein. Les gens font ça. En fait, il y a les gens qui ont le cœur. Quand ils te voient, ils tuent. Quand on te dit qu'on met le poison dans le trou de quelqu'un, il meurt. Donc ceux qui partent même faire derrière en lâche, là, c'est même parce qu'ils sont lâches. Si quelqu'un peut prendre la poudre, il verse dans ta boisson. Tu bois. Toi qui es venu te marier, tu meurs, tu ne rentres plus dans ton pays. Tu crois que qu'est-ce qui peut encore les arrêter? Voilà, directeur d'une grande société. Tu es allé comme ménager, là, flasher sur toi. Voilà. On a assez de zona. Voilà. Hey! Mesdames. Linda, ça veut dire que ton onction, ton nom, donc, ne t'inquiète pas. Ce qui me plaît, c'est que. Oh, Chandarabo, Chakarabas. Quand il y a l'onction sur toi pour attirer les milliardaires, ils ne peuvent que te ralentir, ils ne peuvent pas arrêter. Je veux que tu comprennes ça. Maintenant, tu vas devenir sage. Parce qu'ils sont dans mon direct, ils vous observent. Qu'elle comprend maintenant. Hein? Elle connaît maintenant. Si elle suit la femme, si ça veut dire qu'elle connaît un peu.
Comment nos deux kits commerce de 50 euros alors? Tu as compris, Marivonne? Soit tu commandes le grand kit, soit tu commandes. Mais Marivonne, je crois aussi que quand tu fais le kit commerce, prends aussi le déblocage. Ah, jamais ton commerce ne marche pas. Il y a aussi toi-même qui es aussi potentiellement bloqué. Donc je disais que tant que tu as là, ton étoile est là. Tu vas voir que tu vas rencontrer les gens, ça ne va jamais aboutir. Ça veut dire que tu as d'abord l'onction. Donc c'est là sur toi. Peut-être tu m'écoutes, ne te décourage pas, ma chérie. Même à 50 ans, l'homme là va te localiser. Mais je ne veux pas que tu attendes jusqu'à 50 ans. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Même s'il faut que tu partes travailler comme serveuse dans le restaurant. Et qu'il vient te voir dans le restaurant. Et quand ils te font ça, là, il y a une faveur qui est dans son cœur avec toi. Hein. Comme ça. Donc il est aussi t'aime pour rien. Après, il te dit, voilà, viens chez moi, restez. Ils donnent les clés de sa maison. Ils te donnent. Donc tu vas voir qu'en 2 semaines, tout est ouvert. C'est encore là. Ne te décourage pas. Maintenant, sois sage. Protège-toi. Anne Taboula, même s'il ne peut pas t'aider, comme le fait qu'il ne t'aide pas, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait. Tu ne peux pas savoir. Il y a un esprit de rejet sur toi. On n'expédie pas une commande au-dessus de 50 kilos, comment? Anaïs, Anaïs, écris-moi en inbox après. Premièrement, tu dois enlever d'abord les couches de choses qu'ils ont fait sur toi. Il y a les choses en toi qu'ils ont déjà mis. Quand l'homme couche avec toi, il part. Ça d'abord doit sortir. Deuxième chose, tu vas te protéger pour qu'on ne te. Il te cherche, il ne te trouve même plus. Il ne te localise plus. Il ne te localise plus. Maintenant, la troisième chose, tu ouvres maintenant ton étoile. Il y a des choses que tu peux faire pour booster toi-même ton étoile. Voilà. Ok, à bon entendeur. Si tu m'écoutes, tu n'as pas l'argent, hein, ne te dérange pas. Lave-toi avec le sel aujourd'hui. Fais 7 jours de lavage avec le sel, matin, soir. Tu lis le psaume 23-35 avant de te laver. Si tu n'as pas l'argent pour payer au moins un de mes produits, je sais ce qu'elle dit. Le lavage, c'est un peu là, sans même toucher à mes produits. Hein. Ça ouvre d'abord ton petit argent qu'ils ont bloqué. Vous êtes censé avoir les millions qui viennent de vous. Donc, tu restes, on t'envoie seulement l'argent. Que ouais, j'étais en prends, prends. Tu restes. Ouais. Moi, vous dis que je vais prêcher jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Mais il faut qu'il casse ta tête et qu'il mette dedans après il ferme. Tu aimais Liane, tu dois te laver avec le sel. Tu as les couches qui te bloquent. Tu es belle, mais tu as les blocages. Tu as les blocages. Parfois, si vous-même là, vous êtes dur avec vous-même. On dit te laver au sel, tu ne te laves pas. Il faut qu'on aille bosser. Les lavages à distance, on les fera aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont commandé le lavage à distance, c'est les lundis matin qu'on les fait. Le lavage physique, c'est dans la semaine. Ok. Tous les numéros sont dans les. Les numéros sont dans le. Si vous déroulez la barre du direct. Bon, c'est pas aussi tous les onctions qui sont bien. Hein. Parce que là, tu dis que tu t'es fait initier, tout ça. J'ai des gens qui viennent vers moi. J'ai des gens qui viennent vers moi.
Oui, tu peux chauffer l'eau du lavage. Il y a des gens qui viennent vers moi et disent, maman, je sers sous un prophète. J'ai besoin de ton aide. Écoutez, quand tu es dans le bon endroit, tes choses souffrent. Vous comprenez, non? Quand tu mélanges tes sels, pâle. Parce que c'est même encore plusieurs couleurs de sel, c'est encore mieux. C'est pour ça que vous donnez, vous donnez plusieurs couleurs. Vous un peu comme l'arc-en-ciel. Il y a les spectres d'attirance sur toi. C'est vrai que vous ne voyez pas. Dans le spirituel, les couleurs comptent. Il y a les jours où les couleurs, quand tu portes, on te dit waouh, waouh, waouh. Par contre, il y a des jours où tu mets les couleurs. Parce que les couleurs comptent. Donc, mets toutes les couleurs de sel. Pâle, lit. Ça va activer tes spectres là dans ton corps. Dans ton aura. Donc les produits fertilité sont disponibles déjà dès aujourd'hui. OK? Voilà. Bonne journée à vous. Je vais faire un direct le soir pour montrer l'utilisation des produits. Abonnez-vous sur YouTube parce que je vais mettre ces vidéos-là aussi là-bas. Jacques Pascalin. Oui, Florence est très, très accueillante, oui. Jacques Pascalin, tu es... Écoutez, les gens ne veulent pas que vous fassiez ce que je dis. Les gens ne veulent pas que vous fassiez ce que je dis. Ils ne veulent pas que vous ayez l'argent pour venir vous faire consulter. C'est pour ça que tu vas voir le jour, tu vas commencer le lavage de sel, tu vas commencer à avoir des problèmes avec ton mari. Oui, quand tu finis, tu peux te rendre avec le lait de toilette. J'ai tout de baron. C'est même pas que tu as les couches de nuit. Ça, tu te rappelles maintenant. Parce qu'avant, tu avais les couches de nuit, mais tu ne te rappelais pas. Bon, pour les produits, on poste dans tous les pays d'Afrique maintenant. Dubaï, il n'y a que Dubaï que je vais confirmer. Et puis, ceux qui sont en Europe, vous commandez avec les représentants ou bien vous commandez ici, là. On vous envoie. Oui, parfois quelqu'un pratique, il ne t'a jamais montré. Quelle fois tu commences à te laver avec le sel, mettre les encens à la maison, il va commencer à dire que c'est toi qui pratiques. Ça, c'est pour te décourager. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent. Les gens là connaissent les choses-là. Ils ne vous disent pas. Hein. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils te contrôlent. Prenez les boules de commandement, s'il vous plaît. Et le chapeau traditionnel, là, vous devez avoir vos chapeaux traditionnels. Bâton de commandement. Ayez vos bâtons de commandement. Et ne vends pas mal les illusions. Quand les gens ont le témoignage, ça me plaît. Ce sont les gens qui viennent de... Écoutez, je ne sais pas où le nombre de personnes qui disent que oh, ma mère m'a donné ton numéro. Donc même si j'arrête de faire les tickets, les gens vont tout m'appeler. Donc je ne me casse même pas. Tu peux faire aussi le sel-sucre. Sel-sucre romarin, tu fais bouillir. Il y a une vidéo sur YouTube où je parle de ça. Sel-sucre romarin. Donc tu mets le sel dans l'eau avec le sucre. Tu fais bouillir 15 minutes ou 20 minutes. Tu descends du feu, tu mets le romarin dedans, tu couvres. Après tu te laves avec. Ça s'appelle la prospérité aussi. Commandez sur le site. Hein. Vous mettez votre adresse. J'ai mis le site pour que vous commandez aussi. Commandez dans la boutique, vous mettez votre adresse. On reçoit la commande, ça c'est facile aussi. Oui, Meldani, Daniela, si tu fais des trucs, tu te vois en Afrique. Il y a sûrement des. Tu as sûrement peut-être fait. Peut-être n'est pas, tu n'es pas allé donner la nourriture sur la tombe de quelqu'un. Il y a des trucs traditionnels que tu n'as pas fait. Et ça te bloque. Donc, il y a des choses que tu dois faire en Afrique ici, là. Achille Saoudien, ceux de Dubaï, là, écrivez en inbox. Commandez même ici, là, vous payez votre carte. Il y a les frais d'envoi. Vous payez là les frais d'envoi, là, on ne vous dérange plus. On envoie ça dans votre pays sans souci.
Bon. Vous n'avez pas besoin de consultation pour les produits. Je peux parler, tu écoutes ta part, tu dis que je veux le kit déblocage. Peut-être je veux le kit fondation. Si vous m'écoutez, il y a des fortes chances que vous ayez des choses qui viennent de vos parents qui vous bloquent. Donc le kit fondation, je l'ai conçu pour ça. Ou même il y a encore des choses que vous avez sur vous, que vous avez passé à vos enfants. Et vous voyez la vie de vos enfants en train de devenir comme pour vous. Vous avez grandi loin de vos parents. Vos enfants sont loin de vous. Voilà le truc générationnel. Donc le kit fondation est censé refaire ces fondations-là. Voilà. Bonne journée à vous.